sur le plateau de bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment faire connaître Jésus au ton petit Bonjour à tous Bonjour Evelyne Et bonjour à notre invité, bonjour, Philippe, Philippe. Comment vas-tu Ça va, super heureux d'être avec vous, honoré, et je suis sûr qu'on va vivre un bon temps. Déjà, déjà l'écran derrière, ça donnait super bien, donc je suis sûr que ce matin, ça va être juste génial. <laughs> ça va être ouais. génial Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es le fidèle ami de Cookie, tu es ventriloque pour Jésus, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça hein? Oui, d'ailleurs, il, il y a quelques années de cela, on m'appelait, dans, dans une grande école catholique, on m'appelait le ventriloque de Dieu. Ah bon, ben voilà, donc c'est parfait. Donc, ventriloque <laughs> de Dieu depuis plus de 20 ans. Oui, 21 ans. Et euh, tu as au un ministère auprès des familles, des enfants. Tout tu vas fait. nous présenter ton ministère. Avec joie. Aujourd'hui, c'est un mardi spécial, Nadine, mm -hmm. parce que au lieu de la rubrique famille, on a une rubrique culture et médias, version prolongée, mais ça s'adresse particulièrement aux familles. Oui, on va parler de cookies, on a des vidéos, et on a du euh, matériel à présenter, ça va être excellent. Exactement, et à la fin, chers parents, si vous nous écoutez et que vos enfants sont dans les parages, vraiment faites-les venir, faites-les regarder l'émission, parce qu'à la fin, nous aurons une petite prestation spéciale, je ah, n'en dis pas plus, de Philippe et Cookie. Vous allez découvrir ce ministère extraordinaire et vos enfants vont en avoir pour eux aussi. Donc préparez déjà vos enfants, vos tout-petits, même les plus grands, parce que ça touche tous les âges, c'est merveilleux. Ah non, on va commencer tout de suite. On va découvrir donc comment nos tout petits peuvent connaître Jésus. S'ils peuvent connaître Jésus déjà, nous allons parler de tout ça avec toi dans la pensée du jour. Parler de Jésus aux tout petits, n'est pas une option, c'est une nécessité. Effectivement, dans Luc 18:16, dit Jésus dit "Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent." Jésus s'attend à ce qu'on lui apporte les petits. Et euh, accompagner un enfant quotidiennement dans la présence de Dieu, ça va semer d'extrêmement bonnes choses pour toute sa vie. Et il va avoir besoin de se tourner vers lui en tout temps de sa vie. Et tout ça va être scellé dans son cœur. Proverbe 22.6 dit ⁇ Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc quand on prend la peine, dès tout petit, d'amener les enfants à Jésus, on va semer des graines d'éternité dans leur vie et c'est extrêmement important. Alors c'est à la fois simple et c'est aussi un défi parce que concrètement comment on va faire un tout petit, il a une compréhension, une vision du monde qui est très différente de celle des adultes et apporter... La personne de Jésus et l'enseignement biblique à un enfant, ça va constituer tout un défi pour les parents et pour les adultes qui entourent l'enfant. Donc, on ne va pas se lancer dans des grandes discussions théologiques comme on peut le faire avec des adultes, et euh, parce que des fois, on va se laisser entraîner dans toutes sortes de conversations. Avec un enfant, ça va rester très simple. Ça va être du bœuf à bas, très basique sur le salut et puis les histoires de la vie de Jésus, tout simplement. Mais c'est quand même un défi pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut bien que l'enfant comprenne que Jésus n'est pas un super-héros comme euh, d'autres super-héros que les dessins animés peuvent lui montrer. Euh, il entend pas mal d'histoires, il faut qu'il arrive à faire la différence entre Jésus qui est euh, bien réel, qui est véritablement son ami en chair et en os, si je peux dire comme ça, euh, contrairement à tous ces super-héros qui sont des super-héros de dessins animés, qui sont des mensonges quelque part. Et deuxièmement, on doit aussi l'amener à comprendre dans des mots simples que Jésus est son sauveur. Et ça, ça ne va pas être très facile parce qu'on va être obligé d'aborder la croix, ce qui s'est passé à la croix, sans traumatiser l'enfant. Donc ça va être tout un défi. Alors on va commencer peut-être par se procurer tout simplement une Bible pour tout petit. Il y a des petits livrets individuels ou carrément des petites Bibles illustrées qui vont servir à amener déjà le personnage de Jésus aux enfants et les premières histoires de la Bible. Alors. Une des choses à faire, c'est vraiment de prendre un temps à part pour raconter les histoires de Jésus et établir une routine quotidienne suivie ou précédée d'un petit temps de prière avec l'enfant. Et puis pas seulement avant les repas. Moi, j'ai pendant de très nombreuses années fait l'école du dimanche euh, aux petits. Et euh, j'étais surprise euh, quand je disais on va prier Jésus les enfants. Et souvent on disait Seigneur, merci pour ce repas, euh, bénis euh, maman qu'a préparé. Mais on n'était pas du tout devant une assiette. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants ne priaient qu'avant les repas. Ils n'avaient pas conscience qu'on pouvait prier en toutes sortes de circonstances. Donc on doit vraiment établir une routine. Et peut-être, je vous dis, on raconte l'histoire et on prie après, ou le contraire. Et le moment de l'histoire biblique, de l'histoire de Jésus, il faut absolument que ce soit un moment spécifique mmh. et qu'il soit différent des autres. On va raconter hein, des histoires, euh, toutes sortes d'histoires à nos enfants, des histoires de petits nounours, des, des histoires de petits lapins, hein, des histoires de n'importe quoi. Mais l'histoire de Jésus, il faut vraiment qu'elle ait un statut à part et qu'on le montre, qu'on caractérise ce moment particulièrement. Euh, il faut lui parler de la grandeur de Dieu, ne serait-ce que quand on se promène dehors, regarder les arbres, le ciel, les étoiles, et euh, chanter des chants de joie, des petits cantiques. Les enfants sont capables hein, d'absorber ces choses-là. Et puis faire des petites activités. J'en ai trouvé plein sur Pinterest. Moi, quand les filles étaient petites, je n'avais pas Pinterest. <laughs> et les parents, maintenant, vous avez de la chance, vous avez Pinterest. Et puis aussi, et je vais finir par là, lui montrer l'exemple, parce que rien ne vaut l'exemple du parent, parce que l'enfant va tout faire par mimétisme. Il nous voit aller à l'église, il nous voit prier, il nous voit lire notre Bible, il nous voit parler de Jésus comme de quelqu'un de bien vivant. Et il va se calquer sur les pas de ses parents. Et il va tout faire en imitant ce qu'on fait. Alors soyez de bons modèles pour que les enfants soient vos imitateurs merci wow. anne que de bons conseils ça donne envie de devenir parent pour ceux qui ne le sont pas encore oui, ou ceux qui ont des enfants trop grands <rire> <rire> les tout petits ont soif de dieu Vraiment. ça ça peut paraître surprenant parce qu'ils sont tellement dans, dans leur bulle, en train d'intéresser de, de, de par le jeu et toutes sortes de choses, mais ils ont soif de Dieu, ils ont soif de connaître Jésus aussi, et ils en ont même besoin parce que finalement, euh, c'est de là d'où ils viennent. Ils ont été créés par Dieu, tout comme nous, et ils ont besoin justement de, de connaître aussi cette source, là, là d'où ils viennent. Et les enfants ont soif de Jésus et ils peuvent le connaître. On va regarder notre verset du jour, le psaume 8 au verset 3. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires. Ah, c'est une louange puissante, hein. ah ouais. parce qu'elle confond les adversaires. On voit que même Dieu l'a déclaré, même les tout petits, de leur bouche, la, la louange peut, euh, peut jaillir. Et euh, Anne, je reste avec toi euh, quelques minutes. On va juste faire une petite parenthèse, parce que les tout petits, bon, c'est à partir de deux ans environ, jusqu'à la, la maternelle. Euh, mais les nourrissons aussi, on peut déjà semer des choses en eux. Bien sûr, les nourrissons sont sensibles à l'esprit de Dieu. Même dans le ventre de la maman, les mmh. enfants sont sensibles à l'esprit de Dieu. Quand on voit Marie qui rencontre sa cousine Elisabeth qui est enceinte, on dit il est dit dans la parole de Dieu que l'enfant a tressailli dans son sein. Oui. Ça veut dire que la présence de Dieu. Les nourrissons et même ceux qui sont dans le ventre de leur mère, ils sont sensibles. Et donc un nourrisson, évidemment, <laughs> s'il a trois jours, on va pas lui raconter des grandes <laughs> histoires de la croix et de Golgotha. <laughs> Mais par contre, il est ah sensible <laughs> à l'esprit de Dieu. Non, 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 il ah <laughs> Mais par contre, il va être sensible. On va lui chanter des petits cantiques. On va, on va lui. On va lui chanter, oui, c'est ça, des petits cantiques. On va prier avec lui. On va peut-être parler en langue doucement. Évidemment, on ne va pas partir dans des grandes envolées spirituelles à faire peur et à faire trembler l'enfer, parce que lui, va trembler avec, le pauvre. Mais avec des chants doux, des cantiques doux, des prières, des, des petits chants, mm -hmm. même des prières en langue. Et, et l'enfant va être. Englobé dans notre temps de prière et on va l'emmener avec nous dans la présence de Dieu. Tout à fait. Puis un peu plus tard, hein, bon, ça, je parlais des nourrissons, mais mm -hmm. avant deux ans, il y a encore, il y a encore oui. de la marge. Vers neuf mois, un an, ils sont capables déjà de comprendre des petites histoires. On peut commencer évidemment à leur porter, hein, on ne va pas leur raconter des trucs traumatisants, <laughs> mais euh, ils doivent sentir vraiment que cette histoire-là est spéciale mm -hmm. et que ben Jésus, c'est son ami. Mm -hmm. Et moi, je me souviens d'une de, de mes filles à deux ans, elle m'avait dit Ah, moi, pas peur Moi, pas peur Jésus là-haut, pas peur. <laughs> c'est euh, très basique. Mais elle a compris. Jésus, c'est son ami. Elle compris la base. A, exactement. Elle avait deux ans et quelques mois, je pense. Ah, pas peur, mais Jésus. Mais pas peur. Donc, euh, un enfant est capable de comprendre qui est Jésus pour lui et de s'attacher à lui. Mm -hmm. Et puis, dans son petit cœur d'enfant, il peut déjà. Parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui vivent des choses assez euh, difficiles dans leur mm -hmm. famille, des divisions de famille, des, des disputes. Et l'enfant va apprendre très petit à mmh. se réfugier oui. dans la présence de Dieu. Mmh. Donc il n'y a pas d'âge pour venir à Dieu. Exact. Gwen, je me tourne vers toi et ta petite Salomé qui vient tout juste d'avoir deux ans. C'est ça. Et euh, elle, elle a déjà goûté à la présence de Dieu. Bah, Salomé, ouais, dès euh, tout petite, comme tu disais, mais euh, à l'âge de, de six mois, euh, je me souviens de cette expérience. Euh, C'était extraordinaire. Où elle était remplie du Saint Esprit et elle me regardait, et j'étais en train de chanter un chant, puis elle s'est mise à chanter avec moi des mélodies, mais tu sais, À six mois, juste, hein. À six mois, ouais. Dans sa chaise bébé, mmh. là, sur le, on était dehors, et on avait mis la chaise, là, on était sur, la, sur le patio, et puis elle s'est mise à chanter comme ça, à lever les mains, elle chantait, et les larmes qui coulaient de ses yeux, c'était juste wow. extraordinaire, et ça a duré super longtemps, et à chaque fois, moi, je prenais ma guitare, je venais, c'est euh, arrivé plusieurs fois que je prenais ma guitare, je venais en face d'elle, puis je commençais à chanter. Chantait un chant, puis ça venait tout de suite, tu sais, elle bougeait d'une manière complètement différente, ça venait mmh. vraiment vraiment à chercher. Puis, euh, puis euh, Salomé, c'est aussi, il euh, le, n'y le, a pas très longtemps, j'allais partir à l'église, puis, puis euh, euh, ma femme, Magali, elle restait à la maison, et puis euh, je pensais que Salomé allait rester, puis elle, elle était triste que je parte, que j'aille à l'église. Elle disait, mais moi aussi je vais aller à l'église. Bah, okay. Dans ces mots, elle me disait. Elle m'a dit qu'elle voulait aller à l'église et mmh. puis elle m'attendait, elle me regardait, elle pleurait et tout. Donc je l'ai prise, on est allés juste tous les deux à l'église. Alors c'était une ça. réunion du soir. C'était une réunion plus. du soir, mais mmh. elle était super contente d'aller. <laughs> euh, et c'est ça, en fait, elle baigne dans la présence de Dieu. Elle aime ça. Euh, quand c'est le temps où on est à table et qu'on veut prier pour, avant de manger, mmh. bah, elle se met à courir pour venir, euh, pour monter sur le banc et venir manger avec nous et puis prier avec mmh. nous. C'est important pour elle. Donc c'est euh, au-delà du mimétisme. C'est sûr mmh. que c'est ça. Au début, ils nous regarde mmh. mais euh, c'est ils voient le témoignage qu'on porte. Oui. Donc le, ce témoignage, il est puissant. Oui. Et il a un impact direct dans la vie des enfants. Et, euh, et c'est ça. Tout à fait. Ouais. Oui. Dieu parle aussi hein, aux enfants euh, dès oui, leur plus jeune âge. Tu disais euh, dans, dans le ventre de maman, Sandrine, mon épouse, oui. euh, me rappelait que si on veut développer l'oreille absolue, ou tout du moins ouais. tendre à développer l'oreille absolue ouais. d'un enfant, mm -hmm. il faut dès... Euh, euh, le, okay. le ventre de maman avant la naissance, écouter régulièrement un style musical ou, ou différent, mm -hmm. et ça va l'habituer à entendre de la musique et à, à discerner les sons et, et les rythmes et le reste, ce qui fait que il aura de plus grandes chances, eh d'apprécier la musique ou, tout du moins, de devenir un musicien. Mm -hmm. Dieu parle aussi au travers des, des rêves. Mon fils a fait un rêve un jour où Jésus lui apparaissait dans la chambre en éclat de lumière et lui, ah, il ouais. lui disait de venir. Euh, parce qu'il voulait, enfin, si je me souviens bien, devenir son ami ou quelque chose mmh. comme ça. Et on se rend compte que, de toute manière, les enfants sont sensibles. Mmh. Spirituellement, mmh. ils Là, le bien sont, sûr. vraiment. Donc autant, euh, dès leur plus jeune âge, semer la bonne graine dans leur cœur. Exactement. C'est sûr, c'est sûr. Et euh, Anne, il y a des supports qui sont très bien faits, hein, des apps, etc. On en a déjà parlé oui. plusieurs fois dans des rubriques oui. Culture et Médias. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes Pour les tout petits, je vais peut-être en décevoir certains, mais non. Je ne le recommande <laughs> pas vraiment, mm -hmm. exceptionnellement. Mm -hmm. Mais parce qu'on l'a vu hein, dans d'autres rubriques que vous pouvez réécouter dans les archives, on, on déplore vraiment... Euh, Trop de présence des écrans dans la vie des, des tout petits. Mmh. Et euh, j'entendais un pédopsychiatre qui disait qu'avant 5 ans, un enfant n'est pas censé avoir un écran mmh. devant lui. L'idéal, c'est les petits livres comme Les, tu petits, faisais, livres, les hein, petits, petits livres, les petits livres. Et puis, ils aiment, ils les regardent, ils les tournent dans tous les sens, mmh. ils se les approprient. Mmh. Alors que les écrans, ça les abrutit. Mmh. Littéralement. Mmh. Littéralement, ça abrutit on peut les faire gamins. Une citation de anne <laughs> Herzog <garçon> <laughs> <laughs> mais si tu veux, <laughs> les, oui, oui, les, je... les livres, ils se les approprient et ouais. les écrans les abrutissent. Mmh. Donc euh, non, il faut éviter les écrans. Moi, je vois beaucoup de parents qui les mettent dès tout petits devant des mmh. écrans, devant des tablettes c'est pas c'est pas l'idéal, c'est pas l'idéal. Oh, J'aime pas non parce que l'idéal c'est en fait que le parent fasse vivre les histoires les en en les racontant mmh. parce que bah euh, j'imagine que Philippe tu es expert dans le domaine, <laughs> certainement plus que moi mais c'est important de mettre de la vie quand on raconte des histoires. L'intonation de la voix, mmh. la douceur, le rythme, mmh. la, la présence, le, le, la théâtralisation. Moi je suis très marionnette, je suis mmh. très histoire, je suis très parce que tu t'entendrais très bien avec Sandrine sur ce domaine-là et <laughs> certainement sur tellement d'autres domaines à mon avis parce qu'elle elle est c'est elle qui m'a euh, donné euh, de prendre conscience qu'effectivement les écrans étaient très très mauvais. mauvais. Alors que moi je pensais qu'il suffisait de le mettre devant l'écran pour le calmer un petit peu. Non absolument pas. Mm -hmm. On a éliminé... Euh, tout ce qui est écran, euh, euh, film, dessin animé et autres pour, 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 les, pour, les, pour notre petit, parce qu'on mmh. se rendait compte que ça avait un impact, euh, mmh. somme toute, et au niveau de l'influence surtout, mmh. assez négatif. Mmh. Frustration, colère, identification au personnage, il dit des choses qu'il ne réalise pas et ainsi mmh. de suite. Et je crois que c'est à considérer. Donc on a, on a fait un, un move là-dessus là mmh. très intéressant et on se rend compte que l'attitude de l'enfant est fon fon fondamentalement différente. Mm -hmm. Et donc, le soir, on se, avant de se coucher... On, 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 alors, ce n'est pas systématique non plus. Mm -hmm. C'est aussi... Euh, je, je pense qu'il faut respecter l'humeur de l'enfant. Dans la mesure où... Chérie, est-ce que ça t'intéresserait de lire une histoire ce mm -hmm. soir On va parler de Jésus, tout ça, ou, ou quelque chose de, de simple. « Oh oui, papa, j'aimerais tellement... Euh, » Et puis, parfois, ça sera des histoires oui, qui que seront des complètement fois, différentes. Ils, ils sont tellement pas dedans que, finalement, on parle, mais il y, y a rien qui rentre, c'est ça, ça moi personnellement, je mmh. préfère respecter son rythme et, et, et le faire quand il en a envie et l'amener petit à petit dans, 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 dans un respect de, 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 de ce qu'il souhaite faire et de son rythme mmh. à, à, à découvrir Jésus aussi. Mmh. On n'est pas le, le genre de... Il faut une, une histoire tous les soirs. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux dire Pour autant... C'est le style de vie que l'on va mener à la maison aussi qui va l'impacter. Mm -hmm. Ce n'est pas juste l'histoire du soir, c'est qui on est, oui, c'est oui. comment on se comporte, comment oui. on répond, comment on vit, comment on se parle, maman et moi, mm -hmm. et, et tellement d'autres choses euh, que l'enfant observe. C'est ça, parce qu'en fait, faire connaître Jésus au tout petit, euh, comme tu le dis si bien, c'est pas juste raconter des histoires de Jésus, c'est vivre en fait la vie euh, fait. Euh, que Jésus pouvait mener euh, dans, dans notre famille. Donc il euh, y a des valeurs qui doivent être présentes dans la famille l'empathie, la, la compassion, le partage des, des comportements. comportements un langage, ouais. une attitude, et puis c'est ça, tu parlais de quoi. il mm -hmm. y, y, y a des temps qu'on peut vivre dans la présence de Dieu où nos enfants sont juste impactés sans mm -hmm. même s'en rendre compte, en fait. On a, je, fais, je fais une petite parenthèse, oui. mais on a fait une, une émission avec Jérémy de Prière Inspirée oui, qui s'appelle Prière pour les Petits, mm -hmm. Mm -hmm. et on voit les fruits que ça porte, j'ai été voir les témoignages, il y a des gens qui disaient bah, déjà que leurs, leurs mm -hmm. enfants ont été touchés, et moi même, c'est vrai, si, euh, je suis assez d'accord avec ce que dit Anne concernant les écrans, mais ma petite, je lui ai fait voir cette émission parce qu'il y a une... On, il y a une marionnette enfin, disons, oui, il y a une mascotte là, il y... et puis elle était vraiment interpellée par le chant qui dit euh, tu es mon ami mm -hmm. et euh, c'est un chant qu'on a improvisé qui s'appelle Jésus tu es mon ami et elle regardait et elle chantait déjà et mm -hmm. elle commençait déjà à chanter puis à vivre la chose parce que ça lui parle mm -hmm. donc euh, mm -hmm donc euh, oui, une, tout n'est pas une émission qu'on qu ouais. vous recommande sur emcitv.com mais tu as raison c'est sûr on sélectionne de toute manière Absolument. Hein, on sélectionne et puis il y, y a une supervision aussi. Anne un dernier point oui. non négligeable, oui. comment on explique l'œuvre de la croix sans traumatiser les enfants Oui parce que un enfant si on lui présente l'œuvre de la croix sans prendre des précautions il va euh, développer dans son cœur euh, un ressentiment contre les méchants qui ont fait du mal à celui qu'il aime, à mmh. Jésus Hein, S'il s'attache à Jésus et puis qu'il sait qu'il y a des gens qui lui ont fait du mal, ça ne va pas produire la bonne chose dans son cœur. Il faut faire vraiment attention à la manière dont on présente les choses et plus insister sur l'amour qu'il a montré pour nous mmh. que sur le mal qui lui a été mmh. fait parce qu'on risque vraiment de semer, mais même de traumatiser. Moi, j'ai entendu des histoires racontées par des parents d'enfants qui sont revenus complètement traumatisés parce qu'on leur avait raconté qu'à la croix, on lui avait percé les mains, on avait mis mmh. des clous. Ça, c'est bien de lui dire, mais quand il sera plus grand, oui. quand il sera capable de, 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 de comprendre ces choses-là. Mais mmh. un enfant de 4 ans, si vous lui dites que ce Jésus qu'il aime tellement, il y a des méchants qui lui ont mis des clous dans les poignets, mais il va, il va être traumatisé. Donc il faut être sage. Oui. Il faut bien raconter les histoires au niveau de l'enfant, de ce qu'il est capable de comprendre. Il ne faut pas essayer de faire du grand théâtral. Parce que c'est pas ça qui va Avec le convaincre. Avec du ketchup. Avec euh, ça. Je ne l'ai jamais fait, je précise. C'était euh... inspiration freestyle. Et puis aussi la, la notion de la mort. Il faut bien lui dire oui. qu'il a ressuscité après, mm -hmm. pas seulement qu'il est mort. Parce mm -hmm. qu'il y a des gens qui oublient de dire qu'après la mort, il a ressuscité. Oui, c'est vrai. Parce qu'à partir de. Mais qu'est-ce moment... que ça veut dire ressuscité aussi qu Qu'est-ce que ça veut dire être mort Parce que des fois, oui. les enfants, ils ont aucune idée. Mm -hmm. Pour eux, ceux qui regardent les dessins animés, c'est pam pam pam, boum, il mm -hmm. tombe. Mm -hmm. Mais celui qui a vu mourir son petit chat, son chien ou son hamster, il sait que qu'après, ben, il y a Elle plus revient. rien. Mm -hmm. c'est ça. Donc, euh, il faut vraiment s'adapter à ce que l'enfant a compris déjà, mm -hmm. à l'âge qu'il a, à la f... aux choses qu'il est capable de comprendre. Puis, il faut y aller vraiment mollo avec les détails sanguinaires. Tout à fait. Ouais, J'ai envie de dire, oui envie de dire mm -hmm. que quelque chose rapidement. C'est juste d'encourager les parents parce que des fois, on peut être. Euh, on, on se sent peut-être pris au dépourvu, on ne sait pas comment faire, mais de dire aux parents qui savent. Ils ont en eux cette capacité d'apporter euh, l'évangile à leurs enfants. Parce que des fois, les parents vont se reposer beaucoup sur l'école du dimanche. Oui. Et l'école du dimanche, mmh. c'est juste une fois par semaine, c'est 2 heures ah. ou 1h45, heure peut-être, ça ne suffit, pas. Ça suffit mmh. pas. Mais vous, vous êtes capable. Et déjà, même bébé, moi, je me rappelle ma fille, juste en l'allaitant, tu la regardes, tu lui parles et tu sens qu'elle reçoit ce que tu es en train de lui dire. Ouais. Donc, vraiment, les parents, euh, c'est bien, mais vous avez la capacité d'enseigner vos enfants et faites-le maintenant pour ne pas regretter plus tard. Bien oui. sûr, ce Excellent. que tu ne vas pas faire. Toi, les autres mmh. vont s'en charger. Mmh. Donc, c'est important de, de considérer euh, semer, euh, prier, s'en occuper, veiller, et, euh, et, euh, et c'est ça. C'est mmh. ça, ouais, c'est ouais. ça. C'est vraiment le, le rôle spécial. des parents. Avec des mots qui soient adaptés au langage de l'enfant. Pour, mmh. pour mon petit garçon, et, et tu le découvres quand tu as un enfant euh, en, 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 en bas âge entre guillemets, mmh. euh, grand pour lui, grand c'est grand en taille. Et c'est grand en âge. Oui. Est-ce que tu es plus grand que lui Et si tu lui dis que Dieu est grand, lui va s'imaginer que Dieu est grand, soit en âge, soit en taille, soit plus Ça, vieux. Ouais. Euh, le choix des mots est important. Euh, Jésus est mort. Euh, L'idée, par exemple, pour le, pour le, pour le tombeau, c'est tu, tu peux, au tout petit, leur, leur, leur proposer que. Jésus est tombé dans un profond, profond, profond sommeil et personne n'était capable de le réveiller, mmh. sauf Dieu, mmh. parce qu'il est fort. Ah oui, c'est bien ça. Et il a tellement aimé Jésus qu'il l'a il fait revenir à la vie pour que Jésus, à son tour, nous, nous donne sa vie, nous donne la vie, mmh. nous aide dans notre quotidien. Et même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, il est toujours là. Mmh. Des choses comme ça, il est très fort! <laughs> euh... Non, 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 non! C'est bien plus compliqué que ça n'y oui, paraît. Mais... Non, non, mais quand même, c'est très bien. Excellent oui. conseil. Moi, personnellement, l'œuvre de la croix, quand je la raconte, euh, elle est toujours suivie de la résurrection. C'est une autre histoire dans notre petite Bible, mais ils savent le jour de l'œuvre de la croix, ils sont très contents parce que ça dure plus longtemps, parce qu'il y a une deuxième histoire, mais on arrive toujours à la résurrection. Je leur dis parce que c'est une histoire qui finit bien et qui est merveilleuse. On va passer maintenant à la rubrique culture et médias. On va découvrir ton merveilleux ministère, Philippe. Avec Alors, aujourd'hui, on a l'immense honneur de recevoir Philippe Chartres. Chartres oh, Non, non, arriver. non, je te félicite, parce que en fait, souvent, on se trompe. Philippe Chartres, Philippe Chartres. <laughs> Mais tu l'as bien dit, Philippe ah, oui, Chartres. <rire> <rire> Merci beaucoup. Alors, il est passant depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans, comme il a dit dans sa, son introduction. Et il fait, euh, il est ventriloque. Et là, je vais commencer par la question que tout le monde se demande. Oui. Comment ça a commencé Ça a démarré comment Écoute... Euh... J'ai une culture de spectacle dans ma famille. Mon oncle était chef de village au Club Méditerranée et j'ai toujours <laughs> aimé le rejoindre l'été pour aller faire de la scène un petit peu et, et passer du temps avec eux, avec lui. Et je me suis découvert vers l'âge de 16 ans, à l'école, un, 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 un talent artistique celui de faire rire. Mais, mais je me suis rendu compte que déjà tout petit sur l'estrade, je ne récitais pas mes récitations comme tous les autres enfants. Mmh. Il y avait toujours des gestes, il y avait toujours une intonation, toujours quelque chose pour faire rire euh, les, les petits copains. Et à l'âge de 19 ans, je me suis cherché vraiment, euh, est-ce que je deviens illusionniste, est-ce que je deviens humoriste, est-ce que je deviens imitateur Le problème, c'est que ça, c'est un, un problème et une force. Mmh. C'est que j'ai toujours aimé être différent, marcher à contre-courant. Tu vas mmh. faire quelque chose, il faut que je fasse l'inverse. Ou il faut que je fasse différent. Ou il faut que j'améliore euh, la chose parce que je, 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 c'est comme ça c'est dans ma fibre mmh. et euh, je voulais pas être ni illusionniste ni imitateur ni quoi que ce soit parce que tout le monde l'était il fallait absolument que je découvre quelque chose de différent je suis rentré dans un cabaret j'avais 19 ans donc et j'ai vu un ventriloque faire parler un singe oh. et là ça a été ma première révélation oh, un wow. choc si intense que j'ai su que je deviendrais ventriloque toute ma vie, je serai ventriloque. Mais euh... on peut devenir ventriloque Oui, oui, ce n'est pas un don par okay. rapport à la culture populaire. La croyance populaire, c'est ça. Uh, toutes sortes de croyances, mm -hmm. non, non, c'est une technique qui s'apparente à celle du chant, et n'importe qui peut être ventriloque, n'importe qui peut devenir pianiste, la différence... Euh, réside dans le, le don euh, de communication ou, ou, ou d'inspiration ou, ou le talent musical que tu as et que l'autre n'a pas euh, et dans le travail que tu vas fournir, effectivement. Euh, moi, mon, mon don, mon talent, c'est la communication, la scène, le, le, le feeling avec les enfants, avec les familles et, euh, et, la, et la capacité de communiquer euh, ça au travers du spectacle. Et j'ai su que donc à 19 ans, je serais ventriloque. Et là, les gens qui se disent, c'est quoi Comment c'est comment, quoi la ventriloquie C'est quoi exactement Tu sais qu'il y a 20 ans, plus de 20 ans de cela, on disait de moi que j'étais diabolique. Ah oui, carrément. Que j'étais ouais. habité d'un mauvais Mais esprit. C'est un peu embêtant ah, quand oui, on oui, veut oui. faire un ministère dans les églises. Absolument. <laughs> Mais c'était dans les églises, notamment dans les églises. Écoute, il y avait du fruit dans ce qu'on faisait, dans ce que je faisais, des baptêmes du Saint-Esprit, des conversions, des choses extraordinaires. Et à côté de ça, des pasteurs qui pêchaient par ignorance et qui mm -hmm. ne connaissaient pas du tout le système et qui aujourd'hui encore pensent que la ventriloquie, c'est diabolique et que ce n'est pas un instrument que Dieu peut utiliser. En fait, j'explique je, je, que l'instrument, lui, il, il est neutre. C'est le cœur qui est euh, disponible, qui a besoin d'être changé. Mm -hmm. euh, L'instrument est neutre et, et à partir de, de ce moment-là, du, du moment où tu es, tu es, tu es renouvelé, transformé, et que tu, tu fais ça pour le Seigneur, le, le Seigneur peut l'utiliser. Et euh, ça a créé un, un, un tel choc dans les églises il y a 21 ans de cela euh, que euh, j'ai eu beaucoup d'opposition, mais beaucoup de fruits. Ah, oui. et, et moi, j'étais content qu'on parle, ah, bon, ouais. <laughs> qu parle de moi. J'étais content qu'on parle de moi. Moi, je me souviens, parce que ça fait, euh, c'est ça, 19-20 ans, on avait fait venir Philippe euh, à Toulon. À l'époque, on était pasteur à Toulon. Il y a eu énormément de fruits parmi les enfants, dont mes enfants à moi. Mmh. Mes trois filles, elles étaient vraiment en extase. Et puis les, 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 les histoires de Cookie ça les avait profondément. Touchées. On, on, voit, on voit à l'écran sur ouais. les, les photos, là. Oui, euh... oui, ouais, ouais, ouais. oh, ouais, Cookie, c'est donc le petit chien. Cookie, c'est le petit chien. Et, et je l'ai rencontré. Euh, alors, si tu veux, pour, pour revenir à, ces 19, à, oui. à, à, à mes 19 ans. Mmh. Euh, à 19 ans, je ne suis pas converti dans le, dans le cabaret. J'ai une, une révélation. Je pense que c'est une révélation, parce que rétrospectivement parlant, tu t'aperçois que Dieu avait préparé déjà le terrain euh, de 19 à 24 ans j'écume les cabarets je vis la nuit je, je, je m'en sors pas c'est pas génial je suis pas sérieux je suis un peu abîmé de la vie euh, manque de de, 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 affectif, de plein de choses et j'essaye de, 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 de faire au mieux mais ça fonctionne pas à l'âge de 24 ans je rencontre juste 22 24 je rencontre sandrine on commence à vivre un petit peu ensemble et à l'âge de 24 ans euh, je me convertis vraiment de manière assez incroyable okay. euh, peu probable d'ailleurs euh, je voulais pas venir à l'église et puis le seigneur me cueille euh, en six mois de temps me, me révèle son amour et c'est juste merveilleux. Mmh. Je vis une conversion vraiment très profonde. Et pendant ce temps-là, moi, je suis dans les cabarets. Et, 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 et pendant les trois premiers mois de ma conversion, euh, je réalise pas que faut que je me détache de mon ancienne vie. Et le Saint Esprit me parle mmh. par rapport à cela. Et ce que je fais, c'est que je prends mon ancienne marionnette, lui obéissant. Trois mois après ma conversion, je prends mon ancienne marionnette, je la jette dans la poubelle, okay. et je dis à Jésus quel dommage. Parce que j'aurais pu pas, je suis ému parce que c'est juste incroyable. Je, je, me, je me revois à ce moment-là, je jette ma marionnette dans une poubelle, dans un conteneur, et je dis au Seigneur quel dommage j'aurais pu parler de toi avec ça. Mmh. Et euh, wow. trois ans plus tard, alors que je suis vendeur de meubles, de paraboles, de fenêtres isolantes, de, de n'importe quoi pour gagner <laughs> ma vie, euh, un ami m'appelle, la seule personne d'ailleurs que j'ai amenée au Seigneur m'appelle et me dit il faut que je te dise quelque chose de la part de Dieu. Excuse-moi, j'avais pas prévu d'être ému à ce moment-là. <laughs> Il faut que je te dise quelque chose de la part de Dieu. Dieu me demande de t'appeler parce que euh, Il veut que tu reprennes la ventriloquie. Ça vient de lui. Euh, voici la parole pour toi. Il va t'utiliser dans la francophonie entière et ce seront des milliers d'enfants mm. qui viendront à la Allez, connaissance oui, de Jésus, bien. à devenir les, les, les amis de Jésus. Mm. 21 ans plus tard, cette parole a eu lieu 21 ans euh, auparavant, 21 ans plus tard, ce sont des milliers d'enfants qui sont fidèles. Ça, ça. Et on va regarder un petit extrait justement oui. d'un spectacle. Tu vas venir ici, ok Et tu vas rester là, d'accord Bien là, bien là, bien là, voilà. Et surtout, 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 quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu me fais une promesse, tu restes ici et tu ne bouges pas, tu es d'accord Oui, je suis d'accord, je reste ici. Euh, non, euh, Cookie. Oui S'il te plaît, oui. ce n'est pas à toi que je parle. C'est quoi, non Non. C'est à qui alors T'occupe pas. D'accord. Tu sais ce que tu vas faire Non. Coucouche, niniche. Quoi Coucouche, niniche. Coucouche, niniche Oui. Qu'est-ce que c'est ça, coucou <laughs> Coucou Snitch, c'est ça là. C'est n'importe quoi. Dépêche-toi. D'accord. Et tu te tais, hein D'accord, très bien. Alors, comment ça va C'est trop chaud. <laughs> non, Cookie, s'il te plaît. Oui. C'est pas à toi que je parle. Okay, alors, t'occupe pas. D'accord. Ok. Ok. Allez. Oui. Coucou Snitch. Coucou Snitch. D'accord, très bien. Et tu te tais, hein D'accord, très bien. Comment tu t'appelles, Cookie Non. Non, Cookie, s'il te plaît Oui C'est pas à toi que je parle C'est à qui alors Mais c'est à la petite fille La petite fille Oui La petite fille où La petite fille qui est juste à côté de toi Ah Oui et alors, Tu vas te tourner oui. et tu vas lui dire bonjour mademoiselle, comment ça va D'accord, 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 attention, on compte, on compte, on compte Un, deux, trois Et maintenant Qu'est-ce qu'on dit à la petite fille pour lui dire bonjour Bonjour mademoiselle, bonjour Oh Qu'est-ce qu'il y a Salut, la petite fille Eh ben, demande à tes amis Salut À côté de toi, Hello. tu vas te tourner oui. et tu vas lui dire bonjour, mademoiselle. Comment ça va D'accord, 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 d'accord. Attention, on compte, on compte, on compte. Un, deux, trois. Hey, Qu'est-ce qu'on dit la petite fille pour lui dire bonjour Bonjour, mademoiselle. Elle Mais oui, c'est elle. C'est vraiment vraiment beau parce que là, vous. Le, vous faites des spectacles dans les églises, dans des écoles, on vous invite ouais. dans toute la francophonie, et si ça on veut le dire, pour les gens qui écoutent, qui sont vraiment intéressés par votre ministère. Et votre public, exactement, c'est quel âge à quel âge De 2, 3 à 99 ans. En <laughs> fait, on a eu la chance, euh, grâce à ça. Écoute, si j'avais été juste un prédicateur, puisque je prêche et c'est ma première mm -hmm. passion lorsque je suis né de nouveau, le Seigneur m'appelle à la prédication et au ministère et vient se regreffer la ventriloquie après. Mm -hmm. Mais si je n'avais été qu'un Prédicateur, lambda, on va dire, euh, jamais j'aurais voyagé comme on a voyagé, les mmh. portes ne se seraient jamais ouvertes comme elles se sont ouvertes. Cookie, lui, c'est une clé, une porte d'entrée extraordinaire. On a mmh. pu aller à, à Tahiti, en Haïti, en Afrique, en France, en Suisse, en Belgique, en Guyane, euh, 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 en Guadeloupe et un petit peu partout wow. pour, euh, pour, pour, pour les spectacles dans les églises. Alors il y a le côté séculier parce que je ne vis que de ça, mmh. c'est vraiment un ministère par la foi okay. où je vis de ce que les églises me donnent mmh. et de nos ventes de DVD, livres, j'ai écrit un livre, on en parlera tout à l'heure si mmh. tu veux et euh, donc des de cookies, tout ça. Euh, et, et, et le tour euh, bah, nous permet d'en vivre. Et, et c'est surtout, je vis des invitations. Si je suis invité je voyage mm -hmm. et, et j'en vis. Si je ne suis pas invité il faut que je retourne. Il euh, y a, des beaux, de y a des, vraiment des grands témoignages tout à l'heure. Tu m'en parlais justement, tout récemment d'ailleurs, d'un oui. petit garçon. Euh... De spectacle, tu sais, euh, c'est à peu près 25 minutes de rire, comme tu viens de le voir là, qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Et petit à petit, de manière très douce et très simple, j'amène l'Évangile au travers de transitions. J'aime lier les choses de façon à ce qu'on ne s'aperçoive pas forcément eh bien que, 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 que c'est l'Évangile tout de suite, mmh. tu vois, tranquillement. Et, euh, et à la fin, là, c'est le moment de douceur, mmh. c'est le moment de tendresse, c'est le moment de, de comprendre que tu peux devenir l'ami de Jésus, qu'il t'aime tellement, que tu es précieux et précieuse pour lui, à un point que tu ne peux même imaginer. Mmh. Et ensuite, la particularité de ce que je fais, puisque tu, tu as vu à l'écran que c'est mmh. en clown, mmh. l'idée, c'est que à un moment donné, il faut dissocier le côté spectacle du côté euh, sérieux et important. Mmh. Je mets cookies dans la valise. Je promets qu'il revient si les enfants sont sages, donc il reviendra. <laughs> ça c'est un super truc. c'est un super truc euh, Pour le côté discipline, c'est pas le, c est, c est pas le moment, mais, mais c'est génial. Et, et j'enlève mon chapeau et mon nez parce que maintenant celui qui va te parler de Jésus, okay. c'est plus le clown, mm -hmm. c'est Philippe. Uh -huh. et là, je leur raconte ce que j'ai vécu dans ma chambre lorsque j'étais petit. Euh, ça allait pas trop parfois. À l'âge de 6 ans, je sentais sa présence. Je ne le voyais pas, je ne l'entendais pas. <laughs> Mais je savais qu'il était là. Wow. C'est puissant le, 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 tout ce que vous avez apporté. Mm -hmm. Son ministère, il y a un site qui s'appelle Pipo et Cookie, dans lequel vous pouvez savoir un peu plus sur le ministère de, de, de Philippe et sur les spectacles. Il a écrit un livre, parce que ça vous dit, que vous n'êtes pas juste ventriloque. Vous avez un ministère qui s'appelle lecailloublanc.com. Euh, Mais... Et vous avez écrit un livre aussi sur le mariage, que, qui va être disponible à la boutique EMCI euh, prochainement d'ailleurs. On a ouais. la chance d'offrir euh, aux églises. Mon épouse est une super oratrice. Fr franchement là, Sandrine, <laughs> c'est franchement. Ouais. Et même je dis, je dis même, je lui dis même souvent. Écoute, si un jour je dois te porter la valise, je vais te la porter la valise. C'est ouais. ouais. juste, waouh. Wow. Ouais. Donc on offre aux églises les, les, les réunions pour les dames, euh, séminaires de couple. Mmh. On raconte notre témoignage mmh. et de, notamment dans ce livre, comment les dix premières années de notre vie de couple ont été catastrophiques. N'importe quelle autre personne aurait chuté pour moins que ça, mm -hmm. sachant d'où je viens mm -hmm. euh, et sachant d'où elle venait aussi. Mais le Seigneur nous a, nous a fait grâce et au bout de dix années, on a atterri au Québec parce qu'on cherchait une direction pour se former, euh, parce qu'on avait un appel, on le savait. Mm -hmm. euh, la, la soupape, c'était que, que Dieu nous appelait, quoi. c'était bon et rafraîchissant. Et le Seigneur me faisait confiance, nous faisait confiance et nous a fait confiance toutes ces années. Euh, je vous fais ça très court, au Québec, on vit, euh, on vit vraiment un clash fort. Je demande le divorce à mon épouse. Je suis dans l'équipe de Pasteur Claude Houde, à Nouvelle Vie, Sandrine également. Et Pasteur Claude me propose, nous propose d'entrer en, en, en relation Le problème de Sandrine, c'est qu'elle retenait énormément les choses. Mmh. Pour elle, s'ouvrir, c'était inapproprié mmh. et c'était inenvisageable. Mmh. S'ouvrir en plus à un étranger, déballer sa vie, euh, ce qu'elle a accepté de faire finalement. Okay. Euh, et moi, euh, je dois dire que c'est le Saint-Esprit qui m'a baqué, qui m'a coaché. Me révélant quel genre d'homme j'étais, mais celui que je pouvais devenir. Parce que je vivais le syndrome du jardin d'Éden. Mmh. La femme que tu as mise à côté. <laughs> pour moi, c'était elle le problème. Oui. Refusant de voir les miens. Mais quand le Saint-Esprit me montre quel genre mmh. d'homme je suis, et surtout celui que je peux devenir, euh, pour apprendre à marcher en nouveauté mmh. de vie, euh, euh, laissant, laissant tomber ou, ou remportant les victoires sur mes vieux fantômes du passé et tout cela, eh bien, j'ai commencé à changer. Mmh. Sandrine, voyant le changement, a été très touchée. Et puis je voyais qu'elle changeait. Les entretiens avec Denis Morissette, à l'époque, le pasteur de relations d'aide de l'Église, euh, étaient très, très productifs. Et, et, et je change, elle change. Elle change, je vous fais ça très court. Hein. En un an. Le Seigneur nous a rendu ce que dix années avaient tenté de nous voler. Gloire à Dieu. Ouais. Et ça, vous le partagez dans le livre. Oui. Le partage dans ce livre. Euh, comment devenir acteur ah. du miraculeux, renouvellement ouais. des pensées, discernement et tellement si d'autres choses. choses ouais. Et euh, quand même, on, est, on parlait de cookies qui oui. était oui, le, prêtre, bien sûr. le sujet principal <laughs> de cette rubrique. Alors, euh, euh, Yveline, tu l'as dit en début d'émission, parents, allez chercher vos enfants. On aura un petit spectacle de Absolument. Exactement. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Vous nous retrouvez dans un instant pour un petit spectacle de cookies <laughs> Tellement content d'être avec vous les amis. Vous savez pourquoi Non, monsieur. Attends, c'est pas toi que je parle. D'accord. Vous savez pourquoi Non, monsieur Oh coquine, quoi C'est pas à toi que je parle. C'est à qui Ce sont tes amis qui nous écoutent. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant Eh bien peut-être qu'on pourrait leur chanter une chanson. Ah oh, ouais, si d'accord, d'accord, d'accord. On compte jusqu'à 3 D'accord, 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 d'accord. 1, 2, 6, 12. Non, coquine, quoi. C'est pas comme ça qu'on compte jusqu'à 3 Et comment on alors 1, 2, 3. C'est quoi la chanson au clair de la lune. Je la connais, je la connais. Alors c'est parti. Au clair de la lune, mon ami Toto, prête-moi. Hein, et, et quoi C'est pas Toto C'est quoi bah, euh, C'est Pierrot. C'est Pierrot Mais oui, est-ce que tu la connais la chanson <laughs> oui, oui, je la connais. Alors chante-la bien. D'accord. 1, 2, 3. Au clair de la lune, mon ami Prête-moi ton stylo. Qu'est-ce que y a c'est pas ça la chanson. Et c'est quoi C'est prête-moi ton feutre. Non. Ton ordinateur. Mais non, c'est prête-moi ta 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 ta. Mais t'as quoi Ta Playstation. Non. <laughs> Gookie. Goki, monsieur. C'est prête-moi ta plus T'es fâché un tout petit peu. Ok. Vas-y, chante-la correctement. Prête-moi ta plume. Non, cookie, s'il te plaît. Oui. Arrête. D'accord, c'était juste pour rigoler. Prête-moi ta plume. Pour écrire un. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour écrire un mot. Oh oh. Ma chandelle est morte. Quoi Comment quoi Qu'est-ce que tu t'as dit Ma chandelle est morte. Ça, ça fait longtemps non, Cookie. <laughs> C'était pour rigoler. Je n'ai plus de feu. Tant mieux. Arrête. D'accord. Ouvre-moi la fenêtre. Non, Non, le congélateur. Mais pourquoi J'ai chaud. Non, mais je comprends que sur le plateau tu es chaud, mais s'il te plaît. Oui, c'est pas ça la chanson. C'est quoi C'est Ouvre-moi la porte. D'accord. Pour l'amour. Qu'est-ce qu'il fait Je te la souffle D'accord. Pour l'amour. L'amour de Dieu. C'est ce qu'il faut que je dise Mais oui, Cookie. Ok. Vas-y. la de dieu. de dieu. Hey, bravo. Merci beaucoup. Dis-moi. Oui, monsieur. As-tu remarqué quelque chose au sujet de la fin de cette chanson Oui, c'est trop joli. Pour oh, l'amour de Dieu. Mais pourquoi tu me demandes ça Pourquoi je te demande cela Oui. Eh bien, parce qu'au sujet de l'amour de Dieu, j'ai découvert quelque chose de merveilleux, les amis. Qu'est-ce que tu as découvert Au sujet de la fin de cette chanson oh, Oui. J'ai découvert que Jésus t'aime de tout son cœur. À qui tu causes À qui je cause Oui Et puis en petits enfants qui nous regardent maintenant. Moi wow. <laughs> et, et tu crois que Jésus s'intéresse à eux Si je crois que Jésus s'intéresse à eux Oui, monsieur Non seulement je crois que Jésus s'intéresse à toi, mais je crois que tu es encore bien plus précieux et précieuse pour lui que tu ne peux l'imaginer. Oh, wow Et Jésus, il est où Jésus Oui La Bible nous dit qu'il est tout là-haut. Là-haut, non, non, non Et qu'est-ce que je là-haut Qu'est-ce qu'il fait là-haut Oui. En ce moment Oui. Il prie pour toi. Pourquoi Il prie pour toi pour que peut-être pour la première fois de ta vie, tu acceptes de t'intéresser à lui. Encore Encore Oui. Il prie pour toi. Ah, oui. Parce qu'il aimerait tellement que tu lui confies ta vie. Pourquoi Pour que tu puisses découvrir tout ce qu'il a prévu pour toi, des rêves et des projets extraordinaires. Oui, encore Il prie pour toi Oui, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, dis-le-nous mm -hmm. Il aimerait tellement devenir ton ami. Avant que tu ne sois né. dans le ventre. De maman. selon quoi Jésus qui te créait te fabriquait. Murmurait déjà tendrement au creux de ton oreille combien il t'aimait et combien il était déjà attaché à toi. Nous allons maintenant chanter une chanson. D'accord Maestro Musique. C'est une chanson qui dit quoi Connais-tu Jésus Tu le connais trop, Jésus Oh oui, moi je le connais. Il est un ami qui ne te trahira jamais. Jamais. Un ami qui ne te mentira jamais. Jamais. Un, un ami qui, qui, qui ne te décevra jamais. C'est vrai. Mais oui. <laughs> il est chouette, c'est Jésus. Il est l'ami parfait. Et même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas. C'est comme quoi Il te fait une promesse. Laquelle Il sera tout près de toi. Et peut même venir vivre en toi. Connais-tu Connais-tu Jésus Connais-tu Jésus Le roi des rois. <laughs> C'est cool Il est toujours là Toujours Avec toi wow. Il t'aimait Oui oh, déjà quand tu es né Quand tu es né Il, il, il est toujours là Oh, toujours là à te donner. Tellement de choses à te donner. Euh, Sais-tu que Jésus peut les rendre heureux Ah oui Donc pourquoi Parce que la Bible nous dit qu'il est plus grand que tous les jeux et que lui seul peut rendre vraiment ton cœur joyeux. Ah ça, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord Non. Ben pourquoi La PlayStation. La quoi, la PlayStation Ça se rend des enfants heureux. <laughs> la, la PlayStation Oui. Et puis quoi encore Le soccer. Le soccer. Le foot. Et puis Et puis les jeux. Euh, de société Oui, monsieur. Je suis d'accord. <laughs> tu vois, cher Géry, Sauf que oh oui, messieurs. tout ce dont tu viens de nous parler, quoi? Euh, ça ne peut que mettre une joie de courte durée dans le cœur des enfants. Qu'est-ce que tu veux dire La joie de le connaître lui, d'être son ami et d'être sûr un jour d'aller au ciel avec lui pour toujours. Eh bien cette joie-là ne te quittera jamais. Elle te poursuivra jusque dans l'éternité. Et si un jour, ton petit cœur est troublé Qu'est-ce que tu veux dire um, Si à l'école, ça ne va pas trop. Pourquoi Parce que les amis ne font que se moquer de toi. T'ont déjà tapé, rejeté, insulté, maltraité. Um, et que tu ne te sens pas aimé. Ou que le soir... Ah oh oui, monsieur Avant de rentrer à la maison. Gou -gou quoi Ton petit cœur est brisé. Pourquoi Parce que papa et maman ne font que se fâcher. Parlent de se séparer ou qu'ils ont même déjà divorcé. Et qu'à cause de cela... Ton petit il est en mille morceaux et que tu t'es senti trahi. Ou que le soir, avant de t'endormir... Oui, monsieur Tu as peur du noir parce que tu fais des cauchemars. Ça, arrive, ça. Oh oui, ça arrive Et quoi Ne t'inquiète pas. Comment ça Jésus est là. À côté de toi oh, et, et bien mieux que d'être au ciel. Et, ou à côté de toi. Et quoi Il peut venir vivre en toi si tu l'y invites. Pour te donner sa paix. Oh oui Oh, wow Une paix qui ne te quittera jamais non plus il t'aime tellement Oh, une bonne nouvelle Ah oui, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile que je suis venu te partager. Un Jésus que tu ne vois pas. Non Que tu n'entends peut-être pas. Non Mais qui peut venir vivre en toi. Ça, ça fait toute une différence. Encore Il a tant, tant de choses. À te donner sa paix sa joie, mais il, encore, il attend tant, tant d'amour, à te donner. N'oublie jamais qu'il t'aime et qu'il est un ami merveilleux. À bientôt. À bientôt. J'ai été trop content d'être ici. Salut, Evelyne. Salut, et Cookie, merci, merci beaucoup. beaucoup Philippe, vous êtes trop fort tous les deux les enfants, j'espère que vous avez aimé ce beau moment avec Cookie, je vous le rappelle pouvez vous pouvez vous procurer le DVD de Philippe et Cookie, Pipo et Cookie très exactement et le livre euh, de Philippe Châtre euh, où il raconte les histoires avec son épouse comment Dieu a restauré leur couple sur notre boutique EMCI Boutique, on se retrouve demain, notre thème sera « Il y a des solutions pour sortir de l'épuisement » Et nous aurons notre coach Anne qui fera une rubrique Conseil du coach avec plein de conseils pratiques pour sortir de l'épuisement. À demain et bonjour chez vous. Salut, demain!